je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, tout ce que vous voulez. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine, on les met sur la table et l'invité nous accompagne pour donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste dominée encore ce matin par la situation sécuritaire un peu tendue, pas un peu, très compliquée dans l'Est de la République. Ce week-end, on parle encore de plus de 40 morts, des personnes qui ont été égorgées, assassinées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement ramener la paix et la sécurité dans cette partie de la République? On fait un focus sur ça dans cette émission. On reviendra également sur la politique, la position de Martin Fayoulou sur les prochaines élections, la guerre entre Fayoulou et Adolphe Mozito. Les deux hommes se regardent peut-être pas comme ils le faisaient avant. Sans oublier la conduite des affaires de l'État par Tshisekedi et son au pouvoir. Un invité avec nous en direct de Kinshasa et au téléphone, c'est donc la première fois, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Monsieur Luc Malembe est avec nous. Monsieur Malembe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lamouka dans la province de l'Ituri. Ça tombe d'ailleurs bien parce que bon, on va faire un focus sur l'état des sièges dans cette partie de la République. Vous êtes également communicateur de Lamouka. Mais là, vous sortez d'une prison qui a fait environ 7 ou 8 mois. Votre affaire, à un moment donné, avait fait beaucoup de bruit dans la province de l'Ituri. Vous êtes sorti. Pourquoi étiez-vous arrêté? Alors, je viens de prison exactement. J'ai passé 7 mois en prison centrale de Bounia parce que justement, j'ai critiqué l'état de siège qui est en vigueur là-bas. C'est en fait un état de siège qui ne nous a pas aidé du tout. Ça a d'ailleurs aggravé la situation sécuritaire qui était déjà à Ituri et au Nord Kivu. Je crois qu'on va avoir le temps d'y revenir. Alors, et puis voilà, moi j'ai demandé la fin de cet état de siège ou alors le remplacement des animateurs qui ne nous ont pas semblé efficaces. Le gouverneur militaire qui est là, il ne supporte pas la critique, ce que je n'arrive pas à m'expliquer. Mais lui, apparemment, les gens qui l'ont nommé là-bas ne lui ont pas dit que le bureau dans lequel il l'a envoyé, le bureau d'une province, c'est un bureau extrêmement politique. Et on va vous critiquer, c'est clair. Maintenant, lui, il ne veut pas qu'on le critique, même quand il ne fait rien, même quand il a échoué, même quand il a démontré l'incompétence notoire, il ne veut pas qu'on le critique. Il a muselé tout le monde là-bas, les médias sont muselés, la population est maintenue dans une terreur militaire insupportable. Les élus sont muselés, impayés, les élus provinciaux, il les a même clochardisés. Et ce sont des choses que moi je dénonce. Alors il m'a fait arrêter, il m'a amené devant une juridiction militaire qui était totalement acquise d'ailleurs à sa cause. Mais bon, même les juges militaires ont dit qu'on ne peut pas quand même condamner un innocent qui n'a fait que critiquer, dénoncer, dire que ça n'allait pas. Et c'est vrai, tout le monde le voit. Alors, et puis... Même les juridictions militaires n'ont pas pu me condamner pendant 6 mois que j'ai passé là-bas. Donc pendant 6 mois, vous n'avez pas les statuts d'un condamné. Vous étiez là sous moi pendant 6 à 7 mois. 6-7 mois passés, j'avais le statut d'un prévenu. Alors, on a dû renvoyer mon dossier devant les juridictions civiles et quelques jours après, j'ai été acquitté par le tribunal de paix du Rumu à Bounia. C'est comme ça que j'ai été acquitté. Parce que justement, j'étais innocent. Et les juges ont dû m'acquitter. Non, mais j'ai quand même vérifié. Vous accusez notamment de propagation de fausses nouvelles, de subordination. Vous savez que vous êtes dans une province qui est sous état de siège et que l'état de siège induit également une certaine restriction, que vous l'aimiez ou pas. Mais vous n'avez pas accompagné les autorités dans ce sens-là. Vous étiez plutôt une sorte de trouble fait. Ouais, mais qu'est-ce qu'on devait faire? Nous tous, quand on a proclamé l'état de siège, nous tous, nous l'avons appuyé. Parce que nous, on pensait que c'était vraiment l'état de siège que nous lisons dans la Constitution. Nous avons appuyé, moi j'étais le premier à appuyer, j'ai dit, ben, si c'est les militaires viennent nous aider à finalement mettre fin à cette tuerie de tous les jours, ben, tant mieux, moi j'ai appuyé. Mais 1 mois s'est passé, 2 mois, 3 mois, ben, il n'y a rien.
Au contraire, la situation a commencé à s'aggraver. On a vu un général qu'on a envoyé comme gouverneur là-bas. Mais il n'est jamais là où se mènent les opérations. Vous voyez, il n'y a rien, aucune différence entre lui et les civils qui étaient là. D'ailleurs, même les civils faisaient l'itinérance plus que lui. Il est toujours enfermé au bureau. Il s'occupe des mines, de la province, des douanes, des recettes. Voilà, il est dans l'argent. Il ne s'occupe pas des opérations. Il n'a jamais été là où il y a des massacres. La preuve, par exemple, hier, il y a eu un grand massacre à Ituri. Je crois que vous en êtes au courant. En territoire de Djougou, 22 civils ont été tués le samedi dans le village de Damas, alors qu'ils participaient à un deuil. Un groupe armé dénommé Zahir les a surpris là-bas et a ouvert le feu, 22 morts sur le coup. Au même jour, le même samedi, en territoire d'Irum maintenant, les ADF, les terribles rebelles ADF ougandais là-bas, ils ont attaqué plusieurs villages le long de la route nationale numéro 4, plus de 22 morts encore une fois. Donc on a enregistré plus de 40 morts en une journée. Mais monsieur le gouverneur là, il n'est même pas encore arrivé là-bas. Et ça, c'est le septième grand massacre qui se commet depuis qu'il est là-bas. Septième grand massacre. Donc, c'est même pas des grands massacres, c'est des carnages, en fait. Même des sites déplacés ont été attaqués. Il n'a jamais été là-bas. Alors, nous, on s'est dit, mais c'est où l'état de ce dont on nous a parlé? C'était une arnaque. On a commis une grave erreur, en fait, d'envoyer des militaires, les associer à la gestion politique des provinces. Maintenant, ils ne s'occupent pas de quoi de la guerre, non. Ils sont dans l'argent, ils sont dans les mines, ils sont dans les douanes, dans les recettes. Ils ne s'occupent pas de la guerre et ils n'ont pas besoin que la guerre se termine. Ces militaires qu'on nous a envoyés là-bas, en fait, ils veulent qu'ils restent là indéfiniment et ils trouvent toutes les astuces pour perdurer la situation. Non, mais c'est quand même grave ce que vous dites, monsieur Malimbe. Le gouvernement militaire chez vous, c'est le général Mbima, je crois. Constantin Mbima, c'est ça? Non, c'est pas Ndima. Ndima, ça c'est... Ndima, c'est dans les morts qui vivent. Vous, c'est monsieur Kachama, je crois. Vous l'accusez aujourd'hui d'être un commerçant, quelqu'un qui est plutôt dans les affaires, dans la douane, et qui n'est pas dans la résolution de la crise. Et vous accusez même monsieur Kachama de ne pas vouloir la fin de la guerre dans cette partie du pays. Il l'a prouvé lui-même. Je viens de vous dire que depuis qu'il est là, nous avons assisté à 7 grands massacres. Je peux vous le citer. Dans le village Tchaboussikou, les villages avaient été tout simplement effacés de la carte par les coups d'épaule. Tchaboussikou, le site de déplacés de Drodro, le site de déplacés de Boulé, ça vous aviez suivi. Il n'a jamais été là-bas. Des grands massacres se sont produits dernièrement, je viens de vous dire, à Damas. Il n'est pas là-bas jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Depuis samedi, il devait s'y rendre, non? Il n'est pas là-bas. Il y a toute une chefferie qui est en voie de disparition. Sur la RN4, quand vous prenez la RN4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, tout un tronçon de 180 km qui va de Komanda à Luna, à la frontière entre les deux provinces, ce tronçon est abandonné aux groupes armés, disons aux ADF. Tous les villages qui sont là-bas se sont vidés. Les bureaux de la chefferie de Walese Vokutu là-bas a été incendié. Les chefs de chefferie ne siègent plus là-bas. Tout le monde a fouillé, les villages ont fouillé. Et M. Luboya n'a jamais mis ses pieds là-bas depuis 16 mois qu'il est en Ituri. Mais expliquez-moi ça. M. Luboya n'a jamais été à Boga où les ADF ont coalisé avec des Rwandais qu'on a fait venir, des Hutus Rwandais qu'on avait fait venir là-bas, qu'on appelle Banyabusha. Ils ont coalisé et ils attaquent tous les jours les villageois là-bas. M. Luboya n'a jamais été là-bas. M. Luboya n'a jamais été à Mungwalu où les groupes armés se battent pour le contrôle des sites minés. Les sites de... Donc les groupes armés Kodeko, Zahir, ils se battent là tous les jours. C'est un no man's land en fait. Ils se battent chacun pour le contrôle des carrés minés parce que le Djougou, c'est une zone très très riche en or. Alors, dites-moi où est le gouverneur militaire là-bas. Mais vous le verrez toujours dans les bureaux. Il a même nommé des Chinois. L'autre fois, je crois, vous vous rappelez, j'avais dénoncé qu'il a nommé des sujets chinois dans l'administration des mines. Ce qui est grave, est-ce qu'on peut nommer un étranger comme agent des mines? Il l'a fait. Il a signé une ordonnance, ça a été publié. Alors, nous sommes demandés, mais c'est où le gouverneur militaire? Donc, c'est pas ça. Monsieur Luboya Kachama, c'est un affairiste pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est à la recherche de l'argent et non pas de la paix. Voilà, et non, il n'a même pas besoin.
besoin que cette situation se termine. Et c'est comme ça que nous nous demandons la levée de cette histoire d'état d'essai. Ça ne nous a pas aidé. Il ne faut pas surtout qu'on cherche à nous montrer que, sans l'état, que l'état d'essai, c'est le dernier, la dernière solution pour pacifier l'Ituri. Non, même pas. On va parler de l'état d'essai, c'est le temps pour moi de vider. Mais vous n'êtes pas d'accord que le gouverneur militaire s'occupe des affaires politiques et civiles dans la province? Parce que vous l'accusez, par exemple, d'être dans la douane. Mais c'est dans ses compétences, non? Oui, oui, mais il s'est éparpillé. Maintenant, il oublie. Les militaires qui sont là, ils ont totalement oublié la principale mission pour laquelle ils sont venus. Parce que ce n'est pas les douanes ou les mines qui devaient être la priorité. Non, ça devait être les opérations militaires. On avait besoin de voir un gouverneur qui est partout où il y a des tueries, qui ramène, voilà, qui met fin, qui contrôle, qui commande la guerre. Mais lui, il n'a jamais été même sur un seul front. Comment il va commander la guerre? Alors, il est gouverneur militaire en quoi? Qu'est-ce qu'il a de différent avec les civils qui ont toujours été là? Parce que d'ailleurs, même les civils faisaient l'itinérance quand ça chauffait. Lui, il ne va jamais là où ça chauffe. Non, il ne va jamais là-bas. Vous le verrez, il va à Arou où il n'y a aucune milice, à Mahagi, là où il n'y a aucune milice, il va à Mambasa où il y a de l'or, des Chinois qui sont pleins là-bas. L'autre élément nouveau qui s'est ajouté, c'est que quand vous allez dans les territoires de Mambasa, c'est des minerais, c'est la forêt, la réserve de faune à Okapi, je crois, vous savez, c'est en Ituri. Et là-bas, M. Perrault, les Chinois qui pilulent là-bas ont comme garde de corps des militaires de l'armée. Donc on a vendu des militaires aux Chinois et la conséquence est qu'il n'y a plus de militaires suffisants pour protéger les populations. La plupart des militaires, on les vend aux Chinois qui vont payer de l'argent, qui vont donner de l'or. Et voilà. Qui les vend? Qui met ces militaires-là? Le gouverneur Luboya? Mais c'est lui qui est le commandant des opérations là-bas. Il doit être au courant. Moi, vous voulez que moi je charge qui d'autre si c'est pas lui? C'est lui qui dit qu'il est le commandant des opérations. C'est à lui que nous devons demander des comptes. Qui donne les militaires aux Chinois, aux nombreux Chinois qui pilulent, qui sont gardés par des militaires armés jusqu'aux dents, pendant que les populations se font tuer tous les jours, il n'y a pas assez d'éléments pour les protéger. Voilà le problème. Voilà. Je vous ai fait venir parce que je voulais. Vous êtes quand même de là. Vous dites que vous êtes contre l'état de siège. Mais ici, dans le pays, on nous dit que l'état de siège a quand même apporté certains fruits. Il y a des quartiers entiers qui étaient contrôlés jadis par les ADF qui sont récupérés aujourd'hui par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi êtes-vous contre l'état de siège et pourquoi vous appelez à la levée et à la fin de l'état de siège dans votre province? Monsieur Perrault, méfiez-vous de la vaste campagne médiatique mensongère qui a été mise en place par l'administration militaire là-bas. C'est une campagne médiatique pour faire croire ici. Je suis à Kinshasa, c'est ce que j'ai trouvé. Je trouve qu'on a envoyé des images montées parfois qui n'existent même pas sur le terrain pour faire croire à l'opinion nationale qu'il travaille bien et qu'on doit les laisser là-bas. Mais moi, je viens de là. Moi, je vis là-bas. C'est le chaos, monsieur Perrault. C'est où? Je viens de vous dire que avant l'état de siège, la route nationale numéro 4 qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri, cette route était praticable. C'est vrai qu'il y avait quelques attaques isolées des ADF, mais c'était praticable, les gens passaient calmement. Mais aujourd'hui, c'est une route de la mort, elle est abandonnée. Luboya n'a jamais mis ses pieds à Luna là-bas, jamais. Alors, allons sur la route nationale numéro 27, parce que nous n'avons que deux routes nationales qu'on prétend avoir ouvertes. Mais cette route, il y avait, c'est vrai, des rebelles Codeco. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a mis des barrières, des tracasseries, comme pas possible. L'Assemblée provinciale de l'Ituri, qui est en veilleuse avec cette histoire d'état de siège, mais le président de l'Assemblée provinciale avait dit qu'ils ont dénombré plus de 1000 barrières de militaires, de tracasseries, M. Perrault, à travers la province. 1000 barrières de tracasseries. Mais aux yeux de la population, ça ne suffisait pas d'enlever les barrières de Codeco si c'est pour les remplacer par des barrières de nos propres militaires qui est aussi tracassent, rançonnent la population. Donc voilà la situation. Et si vous... Mais prenez les rapports des organisations indépendantes. Les baromètres sécuritaires du Kivu, il a dit quoi son rapport? C'est que le nombre de morts a augmenté sous l'état de siège plus qu'on en avait avant l'état de siège.
Ça fait 15 mois que l'état de siège est là. Mais nous sommes à plus de 4000 morts, M. Perrault. 4000 morts et les gens vous disent qu'ils ont réussi? Si vraiment l'état de siège avait réussi, qu'a fait l'armée ougandaise en Ituri et au Nord Kivu? Pourquoi on a dû faire venir l'armée ougandaise qui elle aussi est en train de ne faire rien faire là-bas, elle-même est en train d'échouer? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là-bas? Si vraiment l'armée, notre état de siège là a échoué. Mais ça c'est faux! Si l'état de siège a échoué, qu'est-ce qu'on est en train d'aller faire à Nairobi, à amener des groupes armés là-bas, négocier, c'est pas quoi, et même envisager d'amener une force régionale de l'EAC ici? Pourquoi? Si vraiment l'état de siège a échoué, a réussi comme il prétend. Non, c'est l'échec sur le terrain. D'ailleurs, je crois plutôt que les gens qui ont proclamé cet état de siège ont honte de le lever parce que c'est l'échec chaotique. C'est l'échec, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et nous, nous demandons aux gens d'être courageux, d'admettre l'échec et de nous lever cette histoire, qu'on nous permette de rentrer à la normale, parce que les populations sont maintenues dans une terreur militaire inacceptable, insupportable. Les Congolais de l'Ituri comme du Nord Kivu, nous avons le droit de jouir de toutes nos libertés comme tous les Congolais de partout. Vous venez de le dire. Sous ce qu'ils appellent l'état de siège, mais c'est la terreur, M. Terreau. Vous ne pouvez pas supporter ça. Vous ne pouvez pas parler, pas de marche, pas d'activité politique, rien. Tout est muselé. Non. Ça fait 15 mois que nous supportons cette histoire et c'est de trop. Il faut nous lever ça. Voilà. Donc pour vous, mieux aurait été, pour vous, je veux dire, vous étiez mieux avant l'état de siège que maintenant que M. Tshisekedi vous a imposé l'état de siège. Exact. Encore que nous n'avons jamais demandé l'état de siège. En tout cas, moi je ne connais pas qu'un seul habitant qui a demandé l'état de siège. C'est eux-mêmes qui ont proclamé leur état de siège. Dans l'impréparation, il faut le rappeler, l'état de siège tel qu'on l'a proclamé, c'était dans la précipitation. Si vous lisez la Constitution, c'est vrai que la Constitution reconnaît l'état de siège. Mais la Constitution oblige qu'il y ait une loi, qu'on vote d'abord une loi organique qui va encadrer cet état de siège. Et cette loi n'existe pas. Ça fait qu'on a envoyé des militaires sans aucune loi pour les encadrer. Maintenant, ils disent qu'ils ont les pouvoirs exorbitants d'arrêter tout le monde, de museler tout le monde, de menacer les élus sont menacés, tout le monde a peur en Ituri. Alors, non, on n'a pas besoin de ce genre de situation. Et l'erreur aussi, c'est que les militaires sont éparpillés. Ils ne savent pas se consacrer à l'unique mission que nous, on attendait de la guerre. Comme on les a mêlés dans la gestion politique, dans la gestion administrative, ils sont tous là-bas. Il n'y a pas de contrôle. Les assemblées provinciales sont fermées. Alors, ils gèrent en maître absolu, sans être contrôlés. Ils prennent l'argent comme ils veulent, de partout, sans personne pour leur demander des comptes. Non, c'est la catastrophe. C'est l'anarchie militaire. Et nous, on va pas. On a supporté ça pendant 15 ans, c'est trop. Il faut nous lever cette histoire. Il faut permettre aux militaires de rentrer dans les casernes. Et qui s'occupe uniquement de la guerre sous la coordination d'un gouverneur civil. Je vous rappelle, M. Perrault, qu'en 2013, lorsque l'armée a vaincu militairement les M23, est-ce qu'il y avait l'état de siège? Il n'y avait pas l'état de siège, il y avait un gouverneur civil à Goma, M. Julien Paluku. Mais l'armée, sous sa coordination, a gagné la guerre. Mais aujourd'hui qu'il y a un militaire à Goma, est-ce que la guerre du M23 est terminée? Bounagan est toujours entre les mains du M23 sous l'état de siège. Alors, de quelle réussite on nous parle ici? Bounagana est entre les mains du M23, ça fait plus d'un mois. D'ailleurs, le M23 est en train d'étendre, menace à prendre d'autres villages, il menace même de prendre la base militaire de Rumangabo. Alors, où est l'état de siège qu'on nous chante ici? Non, qu'on nous enlève cette histoire, ça a été une erreur grave d'avoir mêlé les militaires dans la gestion politique et administrative des provinces. Vous êtes un ressortissant de ce coin de la République, mais quand on vous accuse vous-même, Ituriens, d'être à la base de ça, mais cela dit, vous avez des députés qui sont dans les groupes armés, vous avez des notables qui sont eux-mêmes les groupes armés, vous avez de la population qui se marie avec le rebelle. Pour vous, quel est le problème, le vrai problème de la situation sécuritaire dans cette partie? Parce que certains de vos détracteurs disent que ce qui arrive, c'est vous les Ituriens qui sont derrière. Chacun a sa milice, chacun a sa bande. La solution pour vous, ce n'est pas l'état de siège. Quelle est la solution? Donc, je pose deux questions à la fois. La première,
Quelle est pour vous la véritable cause de cette insécurité intrinsèque qui fait tuer les gens dans cette partie? Et deuxièmement, deuxième volet de ma question, quelle est la solution définitive parce que vous, vous n'aimez pas l'état de siège? Alors, la première, c'est que je voudrais qu'on rappelle à l'opinion que la guerre qui se vit en Ituri comme au Nord Kivu, c'est pas n'importe quelle guerre, c'est une guerre d'agression, mon ami. Vous voyez, il y a des puissances, des petits pays qui nous entourent, qui lorgnent sur notre grand pays, qui lorgnent sur nos richesses et qui ne peuvent survivre qu'au dos de notre pays. Alors, ils ont mis en place tout un réseau mafieux terrible de vente d'armes qui circule de partout là-bas pour rendre l'est du pays ingouvernable. Et tant que, justement, nous avons des pouvoirs faibles comme ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont en train de réussir. Alors, quand vous dites, quand on dit que ce qui se passe, c'est que c'est nous, même les habitants, qui créons les groupes armés ou quoi, moi, je dis, mais on est où là? Lisez tous les stratèges militaires. Moi, je lis Sanzou, lisez Thomas Hobbes dans les Léviathans. Écoute, nulle part au monde, un gouvernement peut compter sur la bonne foi de la population pour imposer son autorité. Non, l'État s'impose, l'État a le monopole de la force et de la violence. Que ce soit nous, que ce soit qui, mais il faut nous frapper. Quand vous me dites qu'un président de l'Assemblée a dit que les députés sont dans les groupes armés, il en a fait arrêter combien? Lui, il est deuxième ou troisième personnalité du pays. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, ils se plaignent? Si moi, Luc, je suis dans les groupes armés, mais qu'on m'arrête même maintenant, on n'a pas à se plaindre. Si un député est dans les groupes, mais qu'on l'arrête. Depuis que l'état de siège est là, ils ont arrêté combien de députés dans les groupes armés? Moi, je viens de prison, on ne m'a pas arrêté parce que j'étais dans les groupes armés. Ils ont arrêté qui est dans les groupes armés? On ne fait que crier, pleurnicher au lieu de s'assumer comme un État. Et voilà le problème. Mais je voudrais également dire à l'opinion que nous, les populations de l'Est, nous refusons cette manière, ces invectives-là qui sont inacceptables, cette manière de victimiser ou de criminaliser les victimes. Parce que nous, moi je viens de vous dire que nous avons affaire à pas à n'importe quelle guerre, c'est une guerre de balkanisation de notre pays. Et cette guerre, si elle perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les populations de l'Est ont refusé la balkanisation de leur pays. Si nous avions accepté qu'on divise notre pays, mais cette guerre s'est déjà terminée. Nous avons refusé qu'on balkanise notre pays. Nous sommes des fils de Lumumba, nous sommes des fils de Kasavubu, nous sommes des fils de Simon Kimbangu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Désiré Mobutu. Nous refusons qu'on divise notre pays. Nous sommes attachés à l'unité de notre pays. Et nous en payons les prix. Nous sommes en train de payer les prix, Monsieur Perrault, le prix de l'unité de notre pays. Ça fait 10 millions de nos compatriotes qui sont morts là-bas. Ces 10 millions de compatriotes sont de nos frères de l'Est. Pourquoi nous, on va aujourd'hui supporter une guerre qui extermine 10 millions de personnes? 10 millions de personnes, mais c'est peut-être que vous en rendez pas compte. C'est la population de Kinshasa, la population entière de Kinshasa qui a disparu dans cette guerre depuis 28 ans. Pourquoi est-ce que nous, on allait soutenir ça si c'est ce que nous voulons? Aujourd'hui, la population est en train de demander le départ de la MONUSCO. Aujourd'hui, la population est sur tous les fronts. Elle a marché à Beni, à Goma, à Bounia. On a tout fait pour exprimer clairement que nous ne voulons pas de cette guerre. Mais que des gens encore continuent à nous dire que c'est nous qui sommes derrière ça, mais c'est insultant. C'est inacceptable. Non, c'est nous qui payons ce prix, le fardeau de cette guerre. Pourquoi est-ce qu'on va l'appuyer? C'est plutôt un État faible qu'il y a là-bas, depuis 28 ans, depuis qu'on a fait partie le régime Mobutu. Est-ce que tu sais, M. Perrault, qu'en Ituri comme au Nord Kivu, il n'y a aucune base militaire? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il n'y a même pas un camp militaire de au vrai sens du terme, il n'y en a pas. L'armée, quand vous êtes en Ituri comme au Nord Kivu, l'armée, vous avez du mal à la différencier avec les groupes de milices. On envoie des militaires impayés, mal nourris, mal payés au front, ils ont des armes vieilles comme les miliciens. Il n'y a aucune différence entre un groupe armé et notre propre armée. Et l'argent est détourné dans des bureaux ici à Kinshasa, à Goma et à Bounia. Et puis on nous dit non, c'est vous-même les habitants. Mais c'est quoi cette insulte, ça? Donc, la vérité, c'est celle-là, c'est un État faible qu'il y a là-bas. Il faut renforcer notre pays, il faut donner des dirigeants à la hauteur du pays.
de la grandeur de notre pays. Je crois que c'est ce qui manque. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gens arrivés au pouvoir, comme vous l'avez toujours rappelé, par des voies que nous tous on connaît par le vol et le mensonge. C'est des gens qui sont arrivés au pouvoir après avoir signé des accords dont personne ne connaît le contenu. Personne ne nous a jamais dit quel était l'accord qui a lié Kabila et Tshisekedi pour qu'il les nomme au pouvoir. Personne ne nous l'a déjà dit. Alors nous ne connaissons pas cet accord. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut chasser la MONUSCO pour faire venir EAC, force de Kenya, de quoi, de Rwanda, de Ouganda. Mais c'est quoi ça? Depuis quand c'est au Kenya de pacifier l'Est? Aucun pays de l'Est n'a besoin que l'Est du Congo soit pacifié. Pour eux, l'Est, c'est un marché. Pour s'enrichir, pour avoir des minerais, il est hors de question que l'Est soit pacifié. L'Est doit rester sous les jougs des groupes armés qui leur vendent de l'or. Tout l'or de l'Ituri s'est vendu où? C'est en Ouganda. C'est en Ouganda. Il n'y a aucun comptoir d'achat d'or agréé à Bounia. Est-ce que vous le savez? Tout l'or qui quitte l'Ituri, exploité par des groupes armés par-ci, par-là, des ADEP, des CODECO, des AIR, de partout, c'est exporté par la fraude en Ouganda. Et vous attendez que l'Ouganda pacifie l'Est, que l'Ouganda pacifie l'Ituri, mais vous rêvez, monsieur. Mais ici, à Kinshasa, voilà la naïveté qu'on trouve. Donc, on a en face un régime qui ne comprend rien de la situation de l'Est, qui n'a aucune solution à proposer, et c'est déjà à dégager pour que nous puissions avoir un régime fort, un président intelligent, qui comprenait comment on négocie avec ces pays très, très malheureux de l'Est, de l'Afrique, et on va pacifier notre pays. On doit arrêter de... Donc la solution, alors nous parlons pour vous, c'est de chasser Tshisekedi au pouvoir, pour que la paix revienne pour vous. Tshisekedi n'a pas les épaules suffisamment larges pour réduire le problème, il doit partir. Voilà. Il doit partir, parce que vous avez vu que l'Est s'est mobilisé pour faire partir Kabila. Et si on l'a fait, c'était pour que nous ayons la paix. On savait que Kabila n'était pas capable de nous pacifier l'Est. On a fait venir un autre monsieur qui n'a même pas été élu, on l'a placé là-bas, à la suite des accords obscurs que personne ne connaît, il est en train d'aller signer des histoires, d'amener notre pays à EAC. Mais qui a dit à M. Tshisekedi que nous, on a besoin d'être à EAC? Qui lui a dit que nous, on a besoin que les Kenyans viennent nous sécuriser? Qui lui a dit ça? Les Kenyans, son armée, l'armée du Kenya est en Somalie depuis combien d'années? Est-ce que la guerre est terminée en Somalie? C'est ici que le Kenya va pacifier? Mais toutes les armées de l'EAC, là, ils sont dans la MONUSCO, la brigade d'intervention de la MONUSCO. La Tanzanie est là, le Kenya est là. Est-ce qu'ils ont fini les ADF? Est-ce qu'ils ont fini CODECO? Non, on est en train de perdre du temps, on est en train de tourner à rond. La solution va passer par un pouvoir fort à Kinshasa qui va être capable d'être ferme envers le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays qui nous entourent, de mettre en place une armée extirpée de tous les traîtres, une armée professionnelle et équipée, et qui va sécuriser nos frontières du côté de l'Est. Il n'y a pas le Congo sans l'Est, les amis, il n'y en a pas. Il n'y a pas le Congo sans le Nord qui vous, sans le Sud qui vous, sans l'Ituri, sans le Tanganyika, sans les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé. La Tchopo, il n'y a pas le Congo sans l'Est du pays. Voilà. Alors, vous avez évoqué la MONUSCO, ça fait quoi? Ça fait deux semaines déjà qu'il y a des manifestations violentes d'ailleurs, hein, qui ont amené, on parle de plus de 20 morts, de populations qui manifestent contre la MONUSCO. Êtes-vous pour ou contre le départ de la MONUSCO? Vous pensez qu'un départ de la MONUSCO serait la solution miracle? Alors, il faut comprendre les ras-le-bol de la population de l'Est, la population de Goma, de Beni, de Butembo, de Bounia, de Uvira, voilà. Il faut comprendre le ras-le-bol. Je vous ai dit que ça fait 28 ans que ces populations vivent dans la terreur. Ça fait 10 millions de morts que nous avons vus mourir dans cette aventure et la MONUSCO est là. Donc, les ras-le-bol de la population contre une MONUSCO que tout le monde juge inefficace, c'est compréhensible. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que pour une fois, les dernières manifestations ici, c'est le régime ici au pouvoir et qui est derrière. C'est ça que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Pourquoi c'est le régime qui veut précipiter le départ de la MONUSCO? On est tous d'accord que la MONUSCO a échoué et elle doit partir. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que le départ précipité de la MONUSCO nous plonge dans un chaos. Un chaos que personne ne saura gérer. Qu'est-ce que ce régime a fait pour prendre la relève de la MONUSCO de là où elle est? Qu'est-ce que le régime a fait? Quel est le progrès apporté à notre armée qui nous garantit qu'une fois la MONUSCO quitte
la situation ne va pas être pire qu'elle ne l'était déjà. C'est ça la question. Et puis, il faut pas oublier, je venais de parler de la force de l'EAC. Est-ce que ce n'est pas un ordre venu du Rwanda pour amener ce régime à faire partir la MONUSCO, afin qu'on laisse les champs libres à la force de l'EAC qui vient pour la balkanisation de notre pays? Parce que vous avez vu cette force, ils n'ont pas honte, ils disent que, en fait, les pays-là, ils se sont distribués nos provinces sans aucune autorisation. Quelqu'un il te dit le Kenya va être ici, l'Ouganda va être ici, le Burundi va être ici, le Soudan du Sud va être ici. Mais ils se sont partagés nos provinces. Ça, c'est la balkanisation. Il est hors de question. L'autre aspect, c'est l'aspect électoral. On sait tous que nous devons aller aux élections d'ici 2023. Et le régime ici a peur des élections. Il a un bilan tellement chaotique qu'il n'aura même pas 10 voix. Alors, est-ce que ce n'est pas un plan pour précipiter le départ de la MONUSCO, sachant que la MONUSCO, c'est elle qui déploie le matériel électoral. La CENI ne sera jamais capable de déployer à elle seule le matériel électoral, jusque dans tous les recoins du pays, si qu'on a aux élections dans les délais prévus par la Constitution. Ça ne sera jamais possible. Alors, est-ce que c'est pas ça le plan derrière le régime ici, pour faire précipiter notamment rapidement la MONUSCO et bloquer le processus électoral? Donc voilà toutes les questions que nous on se pose au niveau de la MONUCA. C'est ce qui nous amène à dire, ben oui, on est d'accord pour que la MONUSCO parte, elle est inefficace, mais nous refusons que le départ nous plonge dans un chaos plus grave que maintenant, que nous soyons obligés demain de rappeler la MONUSCO. Il ne faut pas que des gens qui ne sont déjà pas capables de libérer Bounagana nous disent qu'on doit chasser la MONUSCO et que demain la situation devienne plus compliquée qu'avant. Est-ce que c'est la MONUSCO qui les a empêchés de déloger Bounagana, le Rwanda qui est à Bounagana depuis un mois? Est-ce que c'est la MONUSCO qui les a empêchés? Ils sont incapables même de déloger Bounagana, mais ils veulent nous faire croire que c'est en faisant partir la MONUSCO que tout se règle. Tout de suite, Codeco va disparaître, tout de suite. ADF va disparaître, tout de suite, tous ces maïmaï partout vont disparaître, mais non, non. Donc les régimes ici cherchent à se cacher derrière le mécontentement général de la population de l'Est contre la MONUSCO. Maintenant, ils veulent se cacher derrière ça pour exécuter un agenda politique caché. Et ça, nous n'allons pas accepter. Voilà. Vous n'allez pas accepter, madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc monsieur Luc Malembe, qui est porte-parole de la MOUCA dans la province de l'Ituri. Il est donc cadre de l'ICD de monsieur Martin Fayou. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Malembe, l'actualité concernant la République, concernant l'ICD, c'est aussi l'arrestation de Maman Marie. On dit même que les militantes de votre parti. C'est une arrestation qui fait beaucoup de bruit à Kinshasa. Votre réaction à chaud après donc cette arrestation, elle est toujours dans les cachots à Kinshasa là-bas, la maman? Bon, apparemment, elle vient d'être libérée tout à l'heure. Elle vient d'être relâchée. J'en profite pour féliciter les Congolais de partout qui se sont mobilisés. J'ai vu vraiment une mobilisation générale des Congolais de partout au monde pour dénoncer cette forfaiture. Mais ce Perrot, on est où là? Vous-même, Monsieur Perrot, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au pays ou en exil, parce que vous avez exprimé un point de vue, parce que vous avez fait votre travail de journaliste. Donc, ce régime qui est en perte de vitesse totalement, qui a lamentablement échoué, il croit qu'il va museler 100 millions de Congolais, vraiment? Mais Madame Marie, elle est connue partout sur les réseaux sociaux comme une citoyenne congolaise engagée qui critique ceux qui dirigent le pays, et c'est de son droit. Elle est libre de critiquer qui elle veut, c'est de son droit. Et les citoyennes congolaises, il n'y a pas qu'à lire des pèses où la loi a dit que c'est seulement eux qui doivent critiquer et que les autres ne doivent pas critiquer, non. Elle jouit de tous ses droits civils et politiques, elle est libre de critiquer qui elle veut, tant qu'elle pense que telle est à l'origine de l'échec ou des problèmes que le pays connaît aujourd'hui. Elle est libre de critiquer qui elle. Non, mais critiquer, ça ne veut pas dire insulte. Quand elle dit de la première dame qu'elle a fétiché pour avoir son mari, quand elle dit que la première dame a brisé un couple, c'est ça, c'est à la lisière de l'insulte, ça. Non, c'est de la même manière qu'on vous a reproché d'avoir dit qu'un président a le libido ou quoi, qu'il drague des filles devant les caméras. Non, mais c'est votre point de vue. Finalement, les gens doivent savoir ce que nous avons cherché. C'est ça la démocratie. Elle a émis un point de vue.
La preuve, c'est qu'elle vient d'être relâchée. Elle vient d'être relâchée parce que justement, elle est innocente. Quand on s'amène à des fonctions comme ça, à des hautes fonctions de l'État, il faut pas croire que tout le monde va vous aimer ou que tout le monde va vous adorer. Non. Il y a des gens qui ne vous aimeront jamais, c'est de leur droit. Mais nous, on a vu en France quelqu'un gifler le président Macron. Est-ce qu'on l'a tué? On a vu en France dernièrement pendant la campagne électorale quelqu'un dire à Macron qu'il est le président le plus nul, médiocre en face. Est-ce qu'on l'a tué? Il faut que les gens sachent ce que nous avons voulu. Les gens se disent qu'ils ont combattu pendant 36 ans pour, au motif de combattre pour la démocratie, mais ils sont incapables de comprendre qu'une une vieille maman comme Madame Marie, qui est victime de la mauvaise gouvernance, qui a sa famille à nourrir difficilement, et qu'elle ne puisse pas vous aimer. Et vous êtes surpris pour ça? Mais si elle a dit ça à la première dame et que c'est faux, il faut en faire un problème. Ça fait quoi? Il faut laisser tomber ça. Il ne faut pas se réduire jusqu'à ce niveau. Si moi, Luc, je dis que M. Tshisekedi doit quitter, il est incompétent. Il faut m'arrêter. C'est mon point de vue, c'est ce que je crois. Je ne suis pas obligé, moi, de l'aimer. Je ne suis pas obligé de l'aimer, moi. C'est mon point de vue, c'est mon droit. C'est ça la démocratie que nous avons cherchée. Elle est là. Et les gens vont devoir se s'habituer, nous, à décider. Nous prenons les valeurs. Nous sommes un parti des valeurs, un parti nationaliste. Nous n'avons peur de personne pour lui dire la vérité. Parce que la vérité fait partie de nos valeurs. Voilà. Monsieur Luc Malembe, vous êtes aussi à la Mouka. Qu'est-ce qui se passe entre votre leader Martin Fayoulou et Adolphe Mozito? On sent de plus en plus le trou s'agrandit entre les deux. Ils ne sont plus en odeur de sainteté. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, la vérité, c'est que nous, dans le camp du président Fayoulou, nous ne sommes au courant de rien. Nous ne sommes pas au courant... Mais vous sentez quand même que de plus en plus, la distance s'est créée entre les deux hommes. Nous avons suivi des sorties médiatiques de notre camp partenaire et ami. Mais ils ne nous ont jamais dit s'ils ont quitté. Nous venons de Kisangani pour le congrès de l'ECID. Nous avons désigné ce qui est de notre droit. Nous sommes un parti politique agréé, autonome. Nous avons désigné notre candidat président de la République qui se trouve être le président élu Martin Fayoulou, ce qui est de notre droit. Nous avons réaffirmé notre appartenance à la Mouka et c'est tout. Nous restons à la Mouka. Si quelqu'un dit que lui aussi veut quitter, parce que je rappelle que M. Adolphe Mozito, le président Mozito, avec tous les respects que je lui dois, n'est pas la première personnalité à quitter la Mouka. Nous avons créé, la Mouka a été créée, il y avait 7 leaders. Et tous sont partis. Mais je voudrais rappeler aux gens que la Mouka a été créée par par sur demande du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui avait demandé en 2018 à tous les leaders de l'opposition de se réunir et de former et de désigner un seul candidat. C'est ce qui avait été fait à Genève. Et Martin Fayoulou avait été désigné candidat commun de l'opposition. Quelques jours après, des gens ont quitté. D'autres ont, après le vol électoral, le hold-up et l'escroquerie électorale de 2018, d'autres ont continué à quitter. Donc, le départ de Mozito ne vous inquiète pas? Non, ça ne nous inquiète pas. Nous restons là où le peuple a demandé que nous soyons. Et si quelqu'un veut aller chercher du travail, c'est les gens qui ont volé notre propre pouvoir. Mais ils sont libres. Les Moïse Katumbi, le président Katumbi sont partis. La Mouka est restée. Jean-Pierre Bemba, le président Bemba, il est parti. La Mouka est là. Monsieur Matungulu était parti. La Mouka est là. Monsieur Moussa Nyamouissi avait quitté. La Mouka est là. La Mouka sera là. Si quelqu'un d'autre veut quitter, nous serons là avec le peuple congolais. Nous sommes là où le peuple avait demandé que nous soyons. Nous restons fidèles à notre peuple. Et c'est pour ça que si vous avez vu les images de Kisangani, le président Fayoulou est resté le même avec sa population. Vous avez vu? Moi, j'étais à Kisangani pour préparer son arrivée. Et je peux vous dire que les gens doivent faire bien leurs calculs. Le peuple n'a jamais oublié que c'est Martin Fayoulou son président. Le peuple ne l'a jamais oublié. Et le régime qui est ici n'a rien fait pour faire oublier au peuple que son président élu, c'est Fayoulou. Il n'a rien fait. Alors, les gens doivent faire bien leurs calculs. Le président élu a fait le tour de l'ex-Équateur. Il était à Badolité, à Mandaka, à Lissala, à Boende. Vous avez vu les images? Le président élu était à Kenge, dans le Bandundu. Vous avez vu les images? Il vient de Kisangani. Vous avez vu les images?
sans argent, sans quoi que ce soit. Donc, les gens fassent bien leurs calculs. Le peuple est resté avec son président. Le peuple n'oublie jamais son leader, M. Perrot. Sinon, Mandela n'aurait jamais été président. Il a fait 27 ans en prison, il est revenu et le peuple l'a élu. Alors, si quelqu'un veut aller chercher lui aussi du travail comme tous les autres étaient partis, ça c'est leur problème. Mais nous allons rester là où nous étions, ça ne nous inquiète même pas, parce que nous étions à Kisangani. Est-ce que Mouzito était là? Il n'était pas là. Nous étions à Boende, à Lissala, à Manaka. Est-ce que Mouzito était là? Il n'était pas là. Mais est-ce que le peuple a refusé de venir pour autant? Le peuple était là. Alors, tant que nous avons notre population avec nous, ben, nous allons nous inquiéter de quoi? C'est que ceux qui veulent partir, ils partent, il n'y a pas de problème. Ils auront les réponses d'ici les élections de 2023. Alors, monsieur Malem, mais parlons justement des élections. On tombe petit à petit vers la fin de cette émission. Vous avez des têtes qui partent, il y en a qui arrivent. Comment jugez-vous le départ de M. Jean-Marc Aboud, par exemple, du côté de M. Tshisekedi? Est-ce que dans l'avenir, vous pouvez envisager une sorte de recomposition des alliances avec Fayoulou, Kabila, Kaboun, Matata ou les autres? Le combat de Jean-Marc Aboud aujourd'hui vous inspire quelque chose? Bon, vous allez m'excuser que je ne veux pas vraiment commenter l'histoire de Kaboun, de lui, de Pes, je crois que c'est, comment dire, c'est leur boutique interne. Je ne vois même pas en quoi ça nous concerne, nous, les Congolais. Mais je note seulement que M. Kaboun a dit des choses que nous tous, nous avons dit depuis le début. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Nous avons dit que ça, c'est un régime jouisseur. Le mot jouisseur ne vient pas avec Kaboun. C'est un mot qui est venu depuis longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est le président Fayoulou qui avait prononcé ce mot depuis pour la première fois. Il avait même parlé du mariage, de union sacrée comme une deuxième grossesse du FCC Cash. Donc, c'est ça, voilà. Nous avons toutes les preuves aujourd'hui. Au moins, nous sommes contents parce que les fils maison eux-mêmes de l'UDPS sont en train de vous dire la vérité. Tout ce que nous demandons à M. Kaboun, qu'il ait le courage d'aller jusqu'au bout. Qu'ils disent qu'est-ce qui s'était passé à Kingakati. Voilà là où les Congolais l'attendent. Il ne faut pas nous dire ce que nous savons déjà. Nous savons déjà que ça, c'est un régime de jouisseurs. Nous savons déjà qu'ils sont en train de détourner l'argent. Nous le savons. Le 100 jours a disparu. Il était là. Nous le savons. Mais qui s'il veut vraiment dire quelque chose de nouveau aux Congolais et qu'on l'écoute, qu'il commence par nous dire qu'est-ce qui s'était passé à Kingakati. Que contenait l'accord Kabila Tshisekedi pour qu'il soit nommé au pouvoir. Voilà les choses que les Congolais attendent, la vérité que nous voulons attendre. C'est là que nous qu'il va entrer dans l'histoire. Mais si c'est pour nous répéter les mêmes histoires que nous connaissons déjà, je ne vois pas en quoi ça va intéresser les Congolais. Alors, donc, un rapprochement, ce n'est pas envisageable pour vous. Hein. Un rapprochement Kaboud, Fayoulou Kabila, Fayoulou Katumbi, pour vous, c'est exclu. Non, c'est pas, nous n'avons rien exclu. Nous venons du congrès, comme je disais, à Kisangani. Et le congrès a chargé le bureau national de l'ECID à prendre contact avec d'autres forces politiques qui voient dans la même direction que nous. En tout cas, nous sommes ouverts. Le président Fayoulou est ouvert. Vous avez vu que M. Matata Ponyo était venu rencontrer le président Fayoulou. Et d'autres qui le souhaitent, nous, on n'a pas de problème. Nous avons besoin d'autres forces politiques, mais j'insiste, des forces politiques qui voient dans la même direction que nous. Donc le cas échéant, M. Fayoulou peut également s'effacer pour un autre dans le cadre d'une élection en coalition. Ah non, ça c'est... Non, ça c'est pas envisageable. Quel est cet autre opposant qui va venir et qui a l'aura politique de Fayoulou? Non, il n'y en a pas. Fayoulou, c'est quand même le président élu de la RDC. Non, ça c'est pas envisageable. Quand je dis que nous sommes prêts à aller avec des gens qui voient dans la même direction que nous, ça signifie des gens qui comprennent que d'abord, Fayoulou est notre candidat naturel, inchangeable, et les restes, on peut parler, mais non, ça c'est pas envisageable. Comment ça? Le président élu a refusé toute compromission depuis 5 ans qu'on a volé son pouvoir. Et c'est aujourd'hui qu'il va l'accepter? Parce que j'apprends des gens dire, oh, nous on est avec Kabila, mais les gens sont terribles. Mais si Fayoulou voulait parler avec Kabila, s'il voulait signer des accords secrets avec Kabila, tu sais qu'il n'aurait jamais existé au pouvoir. Si Fayoulou a refusé toute compromission avec Kabila
alors qu'il avait un pouvoir à lui donner. C'est aujourd'hui qu'il n'a rien à donner qu'on va se compromettre avec lui. Non, nous sommes prêts à aller avec d'autres opposants ou d'autres forces politiques de partout qui voient dans la même direction que nous, qui partagent la même vision du Congo comme nous. Nous avons un programme à Kisangani. Nous avons sorti ce que nous appelons le manifeste de Kisangani qui ressort plus de 30 lignes, grandes lignes qui vont composer notre programme de société que nous allons encore une fois soumettre au peuple congolais et obtenir son suffrage. Alors, tous ceux qui vont vouloir adhérer à ce programme-là, parce que j'ai entendu des gens dire que non, nous avons désigné un président, un candidat, alors que nous n'avons pas de programme. Mais c'est surprenant, ça. Même en 2018, nous avions un programme. Avec quoi nous avons demandé l'élection de Fayulu en 2018? On n'avait pas un programme. Mais nous avons un programme depuis 2018, qui n'a pas changé d'ailleurs. On va juste l'améliorer, l'actualiser. Et c'est ce que nous avons fait à Kisangani. Et toutes les forces politiques qui voient les choses comme nous, qui sont d'accord que Fayulu d'abord est le président élu, nous ne négocions pas sur ce point-là. C'est lui le président élu de la RDC. Et tout le monde qui est d'accord sur ce point-là et qui est d'accord que c'est lui notre candidat naturel, nous sommes prêts à aller avec lui. Nous n'avons fermé la porte à personne. Voilà. Martin Fayulu, président élu, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu obsolète, hein? Vous changez. Vous nous avez dit que Fayulu était le président élu et que l'autre n'était pas président. Ça fait un mandat qui se termine. Fayulu n'a toujours pas pris l'impérium. Vous revenez, vous nous dites qu'il faut des négociations mais hors institution, ou que Fayulu lui-même sera le président de ce qui va se passer. On ne vous a pas donné, la loi électorale a été adoptée, le président de la CENI se trouve en place, la Cour constitutionnelle se trouve en place, les élections sont prévues pour l'année prochaine. Est-ce que dans la configuration actuelle, vous irez aux élections ou vous sortirez encore une autre rêverie du genre « pas d'élection sans ceci ». Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections dans le contexte et dans la configuration actuelle? Voilà, c'est une très très bonne question. Le langage du glissement, le langage du report des élections ou de quoi que ce soit n'est pas dans notre vocabulaire. Nous sommes prêts à aller aux élections d'ici 2023 parce que nous sommes pressés de reprendre notre pouvoir. Non, mais vous disiez qu'il faut des réformes. Alors, vous avez abandonné les combats des réformes comme les autres combats. Le combat de la vérité des urnes, le combat du président élu, le combat des réformes. Maintenant, vous pouvez aller comme ça, là. Vous avez abandonné? Non, nous n'avons rien abandonné. Écoutez, est-ce que nous avons dit que quand nous disons que Fayulu est le président élu, mais c'est ça la vérité des urnes, justement, nous n'avons rien changé. C'est ça la vérité des urnes. Notre combat pour la vérité des urnes, c'est ça, c'est que Fayulu, c'est lui le président élu. Mais nous sommes un parti démocratique, fortement attaché aux valeurs démocratiques. Quand ils ont volé notre pouvoir, nous avons dit, nous restons avec notre peuple, on les laisse aller. Et voilà comment ils sont en train de s'embrouiller aujourd'hui. Vous dites qu'ils ont fait des lois électorales, de quoi, des CENI. Mais c'est biaisé. C'est biaisé. Mais nous disons... Écoutez, nous nous connaissons dans ce pays. En 2018, ils nous ont volé, nous avons laissé faire. Ça ne sera pas le cas en 2023. Nous sommes prêts à aller aux élections. Avec tout ce qu'ils ont mis en place, nous sommes prêts. Et nous allons les gagner. Nous avons consulté notre peuple. Le peuple nous a dit, n'ayez peur de rien. Qu'ils mettent quoi? Qu'ils mettent qui à la CENI? Qu'ils mettent qui? Même leurs enfants qu'ils mettent à la Cour constitutionnelle. Le peuple nous a dit, nous allons vous élire et nous allons... vous mettre au pouvoir par la force cette fois-ci, s'il le faut, par la force légale, je ne dis pas par la force des armes, par la force démocratique, parce que si quelqu'un croit dans sa tête que, encore une fois en 2018, il va voler notre victoire et il va diriger, il s'est trompé, monsieur. Il s'est trompé, les choses ne seront pas comme en 2018. En 2023, nous allons être élus encore une fois, et le peuple est décidé à installer Martin Fayulu au pouvoir, y compris par la force, comme tous les autres peuples du monde le font. Nous avons vu le printemps arabe ici. Si quelqu'un veut se mesurer au peuple congolais, cette fois-ci qu'il ose nous voler. Non, ça je vous en fais la promesse, M. Pierrot. Que quelqu'un ose voler notre victoire encore, il va trouver le peuple congolais sur sa route. Le peuple congolais est décidé à s'assumer comme tous les autres peuples au monde. Nous avons vu comment les autres peuples font. Nous avons vu un président du Sri Lanka que le peuple venait de chasser comme un chien. Alors que les gens essaient cette blague.
Nous allons aux élections, nous sommes prêts à aller aux élections. Les langages de haut glissement ou de quoi, de dialogue, n'est pas dans notre vocabulaire. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Et c'est pour ça que vous m'avez vu en train de vous dire que tous ces stratagèmes du régime ici, de oh, Monisco, oh, EAC, oh, état de siège, j'ai oublié de le dire. Est-ce qu'on ne veut pas aussi nous maintenir dans l'état de siège pour nous exclure des élections au Nord Kivu et en Ituri, ce qui sera inacceptable? Voilà tous ces stratagèmes que vous voyez que ces gens, en fait, ont peur des élections. Ils ont peur des élections, même quand ils ont fait au CENI, aux lois, ils ont peur des élections. Ils savent que le peuple est totalement opposé à tout autre mandat de ce régime ici de jouisseurs. Non, le peuple va les dégager. Nous, ce n'est même pas nous les problèmes. Les problèmes, ils vont faire face au peuple congolais. Ils vont faire face au peuple congolais qu'ils osent nous voler seulement. Non, on sera calme, vous allez voir comment le peuple va s'en charger. Ah non, apparemment les gens commencent à néguer non, je ne comprends pas comment les gens sont en train de tenter de défier le peuple congolais, mais c'est cher ami. Ces 100 millions de Congolais, on ne peut pas les défier. Personne ne va défier les Congolais. Sur ce point-là, nous n'avons peur de rien et de personne. Nous n'avons renoncé à rien. Parce que si nous avions renoncé à quelque chose, nous serions partis à l'Union Sacrée chercher du travail comme les autres. Est-ce que nous l'avons fait? Tout le monde est parti à l'Union Sacrée sauf nous. Faulu est resté le seul qui n'a jamais été ni à Kingakati, ni à alimenter pour chercher du pouvoir. Nous, nous cherchons le pouvoir là où il faut le chercher, c'est au sein du peuple congolais. Tout le monde, Katumbi est en train d'aller à l'Union Sacrée, il ne faut pas que le peuple l'oublie. Bemba est à l'Union Sacrée, Kamere est à l'Union Sacrée. Tout le monde. Alors, nous sommes les seuls qui avons refusé de nous compromettre. Nous avons un président, un homme intègre, un homme dont la personnalité, l'intégrité, la constance, non, ça force l'admiration. Je crois que depuis Lumumba, le Congo n'a pas eu la chance d'avoir ce genre de personnalité comme Fayulu, comme Mukwege par exemple, à Panzi, à Bukavu. Donc, voilà les gens sur qui le peuple congolais peut encore compter. Nous en avons démontré. Nous avons démontré que nous ne faisons pas la politique de recherche du travail. Est-ce que vous savez que Fayulu est le seul, depuis 18 ans que Kabila a passé, Fayulu n'a jamais été à Kingakati. Jamais. Il a quand même dealé avec Kabila pour faire passer Kimbuta. Ça, c'est connu, c'est aussi de l'histoire. On va terminer. Kimbuta lui-même l'a dit. Non, c'est faux, même Kimbuta l'a démenti. C'est faux. Fayulu est l'unique qui n'a jamais été à Kingakati. Nous mettons Kingakati à défi. Ils ont les photos de tout le monde, jamais ils n'ont mis une photo de Fayulu. Il n'y en a pas. Fayulu est l'unique, 5 ans vient de se terminer. Est-ce que vous l'avez vu chercher du travail à l'Union Sacrée ou chez Tshisekedi ou de qui? Non, c'est un homme constant. Il croit en ce qu'il dit. Et moi, je suis fier de lutter à ses côtés. Et je crois que la jeunesse congolaise a un modèle. Nous devons arrêter de nous lier, de nous ranger derrière des gens qui n'ont aucun combat, qui n'ont aucune valeur à défendre de toute leur vie, parce que ce sont ces gens de politiciens qui ne sont là qu'à chercher du travail partout. Hier, ils étaient chez Mobutu. Quand Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila, ils sont venus des kabilistes de Laurent. Quand Joseph Kabila est arrivé, ils sont devenus des kabilistes. Quand aujourd'hui, tu sais qu'ils sont devenus... Non, on doit arrêter de s'aligner derrière ce genre de politiciens, nos propres politiques. Nous, nous avons une valeur, nous avons un leader, modèle, respectable, et nous invitons tous les jeunes Congolais à s'inspirer de son modèle. Monsieur Luc Malembe, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous avoir au téléphone ce soir. Merci beaucoup. Voilà, j'en profite pour remercier tous vos nombreux auditeurs et téléspectateurs et tout. Et vous féliciter aussi pour le travail. Hein. En tout cas, vous êtes parmi les rares journalistes qui avaient accepté de dire ce qu'ils pensent, quel que soit le prix à payer. Merci. C'est ça, moi-même, je suis comme ça, quel que soit le prix à payer. C'est la 9e fois que je viens de faire la prison, je vous le rappelle. La 9e fois en 10 ans de combat politique. En 2020, j'étais encore en prison pour outrage au chef de l'État. C'était encore une fois faux. Donc, nous devons défendre notre pays, défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Sans complaisance, nous devons dire la vérité aux gens sans complaisance, quel que soit le prix à payer. Voilà. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir qu'on avait comme invité Monsieur Luc Malembe, qui est donc cadre de l'ECID, porte-parole de Lamouka dans la province de l'Ituri.
Avec lui, on est largement revenu sur des questions brûlantes d'actualité politique dans notre pays. On a parlé de l'insécurité dans l'Est de la République. Vous avez certainement suivi. C'est la première fois que je l'avais sur ce plateau, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. Merci à vous de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci. Restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous pour d'autres émissions sur cette chaîne. Allez, à la prochaine et bonsoir chez vous. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.